Et nous voilà le dimanche 5 août, donc toujours bloqué au camping, en attendant que la pièce moteur, là, le visco coupleur, je crois que ça s'appelle comme ça. Les moteurs, le moteur Iveco là, du camion, c'est le 2,5 litres turbo diesel. Donc à la sortie de la pompe à eau, donc il y a la courroie de l'alternateur. Donc, c'est justement cette pièce qui est cassée. Quoi. Donc je crois que ça s'appelle le visco-coupleur. Et du coup, par magnétisme, c'est un électro-aimant, je crois. Et ça entraîne l'hélice de refroidissement du radiateur. Voilà. Et du coup, là ça marche plus quoi. Donc voilà, on attend cette pièce avec impatience. J'espère qu'elle arrivera demain, lundi, en espérant quoi. Et puis en espérant aussi que Garage puisse la réparer, il puisse réparer le camion demain quoi. Alors demain, je sais pas ce qu'on va faire. On va aller se promener, dans Tarascon. Je sais pas ce qu'on va faire. Donc voilà, toujours est-il qu'aujourd'hui, nous sommes le dimanche 5 août. Et a priori, on irait visiter quoi, Jeanne ? Ah voilà, on va aller apparemment dans la vallée des loups, c'est du côté d'Aix-les-Thermes apparemment. Voilà, essayer peut-être également faire une petite randonnée en même temps, quoi, histoire de se dégourdir un peu les jambes. Voilà, on va vous montrer tout ça tout à l'heure, ou peut-être même que vous avez déjà vu quelques images. Regarde, c'est là-bas. Regarde le bateau, viens. Est-ce qu'on aura le temps d'aller jusqu'à la base de loisirs? On va aller plus vite parce qu'on aura le temps d'en aller. Mais Jeanne, ça va? Oui. Jeanne, elle attend, Jeanne. Voilà, l'île est là. La nazine, on a coulé. C'est beau, hein, les montagnes. On aurait pu tomber en panne dans un endroit bien pire. Ah oui, ça c'est sûr. C'est beau. Donc nous, on vient de là-bas. On est parti d'ici, puis on a été là-bas, et puis on est revenu ici. Et voilà, nous voilà arrivés sur le parking de la Maison des Loups. Alors, il y a les loups, il y a aussi les marmottes, il y a plein de départs de randonnée. Regardez, c'est magnifique, là, on est vraiment dans les montagnes, dans la vallée d'Orlu, ça s'appelle. Bon, on voit pas grand-chose finalement, mais c'est cool, quoi. Voilà. On est avec notre nouveau carrosse pour quelques jours. On l'a depuis quand cette voiture? Depuis jeudi ou vendredi? Depuis vendredi. Depuis vendredi on a la voiture, ça nous a sauvé la vie. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Sur la ferme de Monsieur Seguin, vous avez trois activités. La première, c'est la petite station d'orpaillage. Est-ce que vous savez comment s'appelle la rivière ici? Personne? L'Oriège, les deux villages que vous avez traversés, Orgex et Orlu. Donc vous avez compris, hein, Oriège, Orgex, Orlu. Il y a toujours eu de l'or ici dans la rivière. Cette rivière, c'est une des rivières les plus aurifères d'Europe. Il y a encore des gens qui viennent, bon, pour s'amuser, on gagne plus sa vie avec leur paillage aujourd'hui. Hein. Coucou, grande bestiole. Oh oh. Hein, ça veut dire oui. C'est beau ou pas? Oui. Hein. Bon. Allez, allons voir les loups. Alors là, ce que je suis en train de leur donner à manger, ce sont des petits coups de poulet qu'on a coupés finement. Et justement, c'est des petits coups de poulet pour justement bah, les amener vers nous. Parce que même s'ils me reconnaissent à mon bruit quand je les appelle en tapant un petit peu sur la boîte, et même en leur donnant à manger, en agitant un petit peu mes clés, c'est surtout la nourriture qui va les permettre de se rester devant moi. Parce que là, on commence à être une centaine. Des fois, l'après-midi, on est quasiment 200 devant eux. Et donc, ils gardent une certaine peur, une certaine crainte envers l'homme. Parce que, vous l'imaginez bien, le rapport entre l'homme et les loups, il est toujours en défaveur du loup, même à l'heure actuelle. Au bout de la queue, jusqu'à 1,65 m. Alors, les animaux que vous voyez devant vous, ils vont peser entre 45 et 50 kg pour les plus gros. Et les représentants de leur espèce qui détiennent un petit peu tous les records, ça va être donc les loups arctiques que vous avez vus à l'entrée du parc. Eux, ils vont peser jusqu'à 80 kg à l'état naturel et mesurer vraiment 80 cm au carreau et mesurer aussi vraiment 1,65 m du bout du nez jusqu'au bout de la tête. Alors, c'est les représentants. On a une louve alpha qui est là-bas en train de courir.
et qui a une babine un petit peu coupée. Elle a une babine qui pend parce que tout simplement, il y a 5 ans, elle s'est battue avec sa sœur et dans ce combat, sa sœur lui a arraché un bout de lèvre. Alors c'est typiquement une blessure que pour nous, soigneurs animaliers, on a l'habitude d'avoir et donc on aurait pu tout, très simplement l'anesthésier et lui faire une petite chirurgie pour qu'elle ait plus du tout ce problème de babine qui pend. Malheureusement, à ce moment-là, elle était enceinte, elle attendait des louves d'eau et donc on n'a pas pu lui administrer les soins. On l'a laissé cicatriser, donc c'est juste esthétique, hein, ça ne va pas la gêner ni pour manger ni pour se faire respecter. C'est une louve qui a donc 13 ans, qui est un petit peu la madone. Il y a plein de petits enfants. Ah, mais il y en a 4 ans. Je ne sais pas présent d'envoyer 3. Savoir que ça doit être leur. Parce qu'il y a du monde à regarder. Bah oui, c'est ça. Bah, ils doivent se dire que c'est. Bah oui, tout le monde regarde. Je dis, ah bah c'est leur. Moi aussi, c'est un garçon. Ah bah moi aussi. Tout est filmé, hein, monsieur. Ah bon, d'accord, oui, c'est un film. Ouais. Ouais, je mettrai peut-être de la musique, on verra. Oui. Si c'est drôle ou pas. On la voit quand même en bête parce qu'en fait, elle est passée. Je vais manger ma caméra. Arrête de voir. Ça va la chèvre ou pas? Mais oui. On est sur ce gars. Oui, fais du bruit. Alors qu'est-ce que tu fais, Charles, là ? Ici, là. Je suis orpailleur, je cherche de l'or. Ça me plaît. On a déjà trouvé plein. Hein. Et Jeanne aussi ? Jeanne, tu fais quoi ? Jeanne ? Ah, j'en ai. Je cherche de l'or. Tu cherches de l'or ? Waouh ! T'en as trouvé ? Ouais, je crois que j'en ai une. Je l'ai vue. Donc elle est tombée. Tiens, elle est tombée au fond. Elle est là. Ah ouais. Et voilà, le travail. Excellent. Mais il y en a d'autres. Elle est contente. Ah, j'en ai une autre. J'en ai une autre, là. Là aussi. Là. Et là aussi, il y en a plein. Il n'y a que de ça, quoi. C'est... Mais ça m'étonnerait que ça soit de l'or, quoi. Non, je pense que c'est un jeu, mais... Bravo, Jeanne. Super, excellent. À mon avis, ce serait plutôt de l'étain ou du... Du silicium. Du béton. C'est super. Bon. Ah, on vous montrera la récolte finale. Il y a du lourd. Donc voilà, la visite de la maison des loups, du parc des loups.
est fini. On n'a pas pu prendre d'image des loups d'Europe parce que du coup les loups d'Europe ils dorment, ils sont fatigués, il fait trop chaud. Il fait trop chaud pour travailler quand même. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc bah, les filles là, elles sont parties faire le parcours sensation nu-pied. On va peut-être s'arrêter aux jeux là qui sont là. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Ah oui, rendez-vous à la ferme de Monsieur Seguin là tout de suite. Donc il y a une petite ferme avec, bah, avec des chèvres. Hein. Voilà. Parce que Clémence veut aller voir les chèvres. Elle fait, ah ah ah. Donc on y va, on y va.